Moi, je voudrais vous féliciter très chaleureusement d'abord pour cet espace magnifique, vraiment, qui va être ouvert au public, qui va être aussi un lieu d'éducation. Je suis très heureuse pour soutenir cette belle initiative issue de la société civile, la plateforme Océan et Climat que vous représentez tous. L'objectif premier pour la communauté océan et pour la planète d'une manière générale, c'est que le réchauffement climatique soit limité à 2 degrés maximum, car au-delà, les conséquences sur les écosystèmes côtiers et marins sont majeures et pour certains irréversibles. Et c'est pourquoi la coalition s'est créée autour de cet événement de la COP21 qui a un rôle à la fois symbolique et décisif pour la suite de l'avenir de la planète. Il faut rappeler qu'il ne peut y avoir de solution climatique sans l'océan. L'océan recouvre plus de 70% du globe. Moins de 1% de sa surface est protégée. Nous nous apercevons que nous ne savons pas grand-chose de l'océan. Devant ce déficit de connaissances, il faut davantage de science. C'est là que réside la force des équipes de Tara, qui ont collecté des dizaines de milliers d'échantillons qui vont transformer la façon dont on étudie les océans. Un volet important de Tara, c'est l'engagement citoyen. Moi, en tout cas, c'est mon engagement depuis 12 ans de rendre compte auprès des décideurs politiques, la COP21, et puis du grand public, d'échanger avec eux sur le rôle des océans, l'impact des changements climatiques sur ces océans, et de leur faire prendre conscience de ce qui se passe aujourd'hui. C'est le résultat de tous ces travaux, de tout le monde. C'est comme une histoire d'aboutissement déjà, vraiment d'être incorporé à cette histoire. C'est un choix, c'est vraiment ma participation à l'écologie, à ma manière. J'adore la mer, alors il faut la sauver.